Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, un petit unboxing d'une caméra FPV, une toute petite caméra FPV, et pour cause, elle s'appelle la Runcam Swift Micro, qu'elle est vraiment, petite par rapport à ce qui se fait sur le marché. Je vous ouvre ça. Alors, avant quand même d'ouvrir ça, je vous montre la boîte. Micro Swift. Donc on est sur une version de la Swift avec le même capteur mais réduit. On est sur un voltage toujours, une tension d'entrée qui est très élevée, de 5 à 36 volts. Donc on est tranquille, on peut brancher ça en direct lipo sans souci. Le sensor c'est un IR block, donc faut penser à prendre des lentilles en IR block si jamais vous voulez le changer. Et la lentille là actuellement c'est une 2.1. C'est 160 degrés, c'est aussi, vous avez le choix aussi avec un 2.3 en 140 degrés. Voilà, deux choix de lentilles. Alors, on ouvre tout ça, hop. Dans la petite boîte, il n'y a pas grand-chose, une petite carte, la caméra elle-même et une petite boîte à côté. Alors la caméra, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment tout petit. Hop, on va comparer ça aux autres Runcam de la même famille. Hop, et on a simplement quelques vis et deux câbles, toujours des câbles en silicone hein, chez Runcam, ça on peut vraiment pas leur reprocher, ils donnent toujours des câbles super silicone. J'apprécie vraiment parce que c'est beaucoup moins rigide que la plupart des câbles du coup, des câbles de moins bonne qualité, du coup c'est vraiment moins cassant, on s'embête vraiment moins, et puis voyez, on peut les torsader comme ça facilement, ce qui fait que je me laisse toujours de la marge en fil, et puis je les torsade, ce qui les réduit, alors ça fait peut-être un gramme de plus, mais au moins je suis pas embêté avec des câbles trop courts, et si jamais j'ai une modification à faire, ça se fait tout seul. Voilà pour l'unboxing à proprement parler. Alors, je vous fais juste une petite vidéo courte aujourd'hui et puis très bientôt on va pouvoir vous faire des vidéos un petit peu plus longues. On est en train de mettre en place un système qui va nous permettre de faire des comparaisons de caméras FPV. Donc dès que ce sera fait, on vous fera des petites vidéos qui vont vous permettre de vous rendre compte de la qualité d'image. En attendant, je vous disais, le capteur, c'est le même que dans la Swift. C'est du 600 TVL aussi. La lentille, par contre, c'est pas le même. Hop. Raté. La lentille, c'est pas le même diamètre que les autres, donc vous pouvez pas remplacer cette lentille par n'importe quelle lentille, en tout cas pas par les lentilles GoPro habituelles. Voyez, le diamètre est beaucoup plus petit. Si on regarde les deux comme ça, et que ça c'est une Swift, hein, première du nom, on a vraiment une différence en termes de diamètre de lentille, donc vous pourrez pas adapter l'un sur l'autre. Voilà, c'est le même firmware à l'intérieur que la Swift, première du nom. Et du coup, vous avez exactement le même OSD quand vous connectez ici pour pouvoir faire des réglages. Alors toujours chez Runcam, il y a toujours une prise pour l'alimentation et le signal vidéo et une prise pour ce qui s'appelle l'OSD, mais qu'en fait qui est le menu de configuration de la caméra. Contrairement à ce qu'on trouve chez Foxy ou une seule prise, je trouve ça beaucoup plus intelligent, c'est plus facile d'utilisation. Par contre, vous avez remarqué dans la boîte, il n'y a ni système de montage, ni télécommande pour le réglage. Donc, si vous avez ce qu'il faut, tant mieux. Sinon, il faut bricoler un système de montage ou avoir une frame dédiée. Je pense que sur les toutes petites frames, ça va pas tarder à sortir. On va avoir de plus en plus de frames qui vont être dédiées à cette caméra spécifiquement. Sinon, vous pourrez probablement trouver des systèmes de montage en impression 3D. Voilà, mais en tout cas, c'est pas fourni avec, il vaut mieux le savoir. Pareil pour la caméra, si vous avez une Swift, a priori, vous allez pouvoir régler tout ça avec la caméra de la Swift, mais en tout cas, c'est pas fourni avec celle-là. Enfin, moi, j'ai eu pas mal de Swift et de Runcam depuis le temps que je pratique le FPV, donc du coup, des télécommandes, j'en ai un paquet, donc ça devrait pas poser un problème. Si c'est un premier achat, il faut être conscient de ça. En termes de prix, c'est pas très cher. Hein. C'est 34 euros, donc c'est moins cher que la plupart des autres caméras Runcam. Ça reste abordable. C'est évidemment créé pour les toutes petites builds. Mettre ça sur un 250, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, sur un 130 ou peut-être même sur un 90, qui sait, il y aura probablement des frames dédiés. Ça paraît beaucoup plus intelligent. En termes de poids, on est sur quelque chose d'assez léger. Alors, on va comparer celle-ci à la Mini et
la Runcam Swift. Donc, encore une fois, les capteurs sont les mêmes hein, dans les trois. Alors, en termes de poids, on est calibré. Par contre, je suis pas sur le bon mode. Hop, mode. Voilà, non, j'y étais. Hop, voilà. Alors, on est calibré à 0 g. Je la mets, on est à 6 g. Ça tombe bien, c'est vendu pour 6 g. La mini, quant à elle, est fait entre 12 et 13 g. Et la Swift tout court, elle fait 14 g. Donc, on a une différence assez faible entre ces deux-là. Par contre, un petit peu plus importante. Je vais retirer le noir parce qu'on n'y voit rien. Et par contre, une différence un peu plus importante. On va essayer de faire le point correctement. Hop. Entre celle-là et celle-là. Donc, ça, c'est du simple au double, micro et mini. Et par contre, la différence est d'un gramme simplement entre les deux. Voilà. On va les comparer. En termes de taille, ça prend quand même nettement moins de place et de poids. Hop, je vous mets dans les trois positions. En termes de taille, justement, si on regarde la largeur de celle-ci, on est à la hauteur des vis hein, du boîtier, approximativement à 19 mm. Et en profondeur, nous sommes à, avec la lentille, 19,5. Si on prend la mini pour comparer, on est à 22. Approximativement 22 aussi. Par contre, en longueur, on est tout de suite sur du 30,7. Donc, vraiment, la grosse différence se fait dans ce sens-là. Vous voyez que... J'essaie de les aligner. On est à peu près là-dessus. Il y a vraiment une grosse différence de profondeur. En termes de largeur, évidemment, c'est un petit peu moins large, mais pas tant que ça. Et sur une Swift normale, nous sommes à 27 à peu près sur... À peu près 26 sur en longueur. Voilà, 30,5. Donc la différence entre ces deux-là est quasi nulle. Alors je l'ai fait une avec le capot et l'autre sans le capot. Donc il y a 1 mm ou 1,5 mm d'écart. Voilà. Par contre, sur le micro, on a une vraie grosse différence de taille et de poids. Donc si la taille et le poids est important pour vous, la micro pourrait être une très très bonne alternative. D'autant que l'image est censée être à peu près de la même qualité que la Swift, qui est une très bonne caméra. Enfin, voilà, j'aime beaucoup la Swift 2 encore plus, mais vraiment, c'est très bien. Je vous fais pas un petit tour du firmware, c'est le même que la Swift 1. Et puis, ouais, les firmware en vidéo, ça donne pas grand-chose. Je vous laisse regarder ça, il y a plein de vidéos qui vont vous montrer ça. Et encore une fois, très vite, on va essayer de vous faire des vidéos comparatives de ces différentes caméras pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en termes d'image, parce que c'est quand même ça le plus important. Voilà, donc je le rappelle, pas de système de montage. Donc si jamais vous partez sur une Swift micro, pensez à vous équiper soit en impression 3D, soit d'une frame qui va pouvoir la monter facilement. Voilà, j'espère que ce petit unboxing rapide vous a plu. C'était David pour We Are FPV et on se revoit très très bientôt sur la chaîne.